Bonjour à tous, une petite vidéo consacrée au Film Art, le Film Market de Hong Kong qui s'est tenu du 13 au 16 mars 2023. Donc je me suis un peu baladé, j'ai regardé et je vais faire un espèce de petit commentaire audio de ce qu'il y avait de présent lors de ce marché. Ici on a le stand de Meiya, donc Meiya, un des gros producteurs et distributeurs, bien connu avec son fameux logo qu'on avait sur les DVD à la grande époque. C'est eux qui sont derrière la production de Where the Wind Blows, donc avec Aaron Kwok et Tony Chuai, dont on voit le poster sur la gauche là. Un film malheureusement assez décevant qui part dans tous les sens et qui veut trop en faire et qui au final n'est pas convaincant. On a d'autres projets sur lesquels je n'ai aucun élément, donc c'est Possession Road, là un film a priori sur un agriculteur. Je n'ai aucune information sur ces films, donc vous pouvez juste voir là, ici, les posters. A priori, des coproductions avec la Chine, puisque c'est le modèle de production dominant à l'heure actuelle. Ici, on a un film à gros budget, puisqu'il y a Andy Lau au générique, High Forces. Pareil, pas vraiment d'infos sur le sujet. Par contre, on voit en fond White Storm 3, qui est donc la continuation du White Storm de Benny Chan, continuation à la hongkongaise, donc sans lien réel avec le film original. Je vais en reparler un petit peu après. Et ici, on a une autre production assez importante, a priori, puisqu'on a Andy Lau au générique et Gordon Lam avec I Did It My Way, réalisé par Jason Kwan, un ancien directeur photo. Donc là, on repasse sur le White Storm 3 avec un beau casting, Louis Koo, Lo Ching Wan, Aaron Kwok est un peu une overdose d'Aaron Kwok en ce moment, mais Lo Ching Wan, il a été tout à fait convaincant dans ses dernières prestations, même si les films ne sont pas forcément géniaux, donc je pense que ça peut donner quelque chose, et puis Armanio à la réalisation, donc ça devrait le faire. Ici, on a le stand qui est consacré à la Kowloon Wall City, donc un des derniers films de Soi Chang, donc il s'était pris la tête, ils avaient refait un espèce de coin de reconstitution de la Kowloon Wall City. C'était clairement le booth le plus populaire lors du salon. Tout le monde allait à l'intérieur y jeter un œil. Ça marche. Alors, est-ce que ce sera à la hauteur en ce qui concerne le film? Je ne sais pas. Mais Soi Chang a quand même fait des jolies choses ces derniers temps. Donc, on peut espérer que ça donnera quelque chose de bien. Et puis, la Kowloon Wall City, ça rend toujours bien. Même si, en pratique, ce sera une Kowloon Wall City qui a été reconstituée dans un studio à Guangzhou. C'est là où ils avaient déjà tourner quelques bouts de Chasing the Dragon, donc ce sera une Kowloon Wall City un petit peu artificielle, c'est à peu près certain. J'espère que Soi Chang a mis un peu plus d'efforts, mais bon, à voir ce que ça donnera. Ici c'est One Cool Production, One Cool Film, qui est la société de Louis Koo. Ici on a un film qui est une espèce d'histoire un petit peu justicière, super-héros. Je vous laisse regarder la bande-annonce. Bon, ça n'a pas l'air incroyable, mais on peut quand même espérer avoir un truc un petit peu sympatoche, à voir. Et on a également ici un autre trailer qui est d'une société de production qui s'appelle Sublime, que je ne connais pas vraiment, pour être très honnête. Et ici, il propose un film de vampire. Alors c'est un peu surprenant. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas vraiment eu de film de vampire à l'occidental, à Hong Kong. Depuis Get the Hell Out of Here, qui était une comédie assez sympatoche sur la situation à Hong Kong. On avait eu avant le Twins Effect de Dante Lam,
à voir ce que celui-ci va donner. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les vampires, normalement, ce n'est pas vraiment accepté dans le cadre des coproductions chinoises qui sont contre les superstitions, contre le côté fantastique. Donc, à voir, est-ce que c'est une coproduction qui n'est pas en coproduction avec la Chine, ou est-ce qu'ils ont mis un certain nombre de trucs pour que la censure l'autorise? Je ne sais pas, ce sera à voir dans le futur. En tout cas, Ray Loy au casting, c'est toujours sympatoche, même si évidemment ce sera un rôle secondaire, puisque Ray Loy il est plus capable de vendre des films uniquement sur son nom. Ici, le stand de Empereur, donc un des gros producteurs à l'heure actuelle à Hong Kong, qui a le Custom Front War. Donc on voit les deux posters avec Jackie Chung et Nicolas Tse, donc leur grosse production d'action réalisée par Hermanio avec Nick Tse, qui s'occupe des chorégraphies. A priori, alors ça c'est un peu bon à voir, c'est un peu expérimental. Mais Hermanio derrière la caméra, ça devrait quand même donner un truc sympa. Ici, Rob'n'Roll, qui est une espèce de comédie, j'ai pu comédie satirique, et j'ai pu discuter avec le réalisateur. Il m'a montré le trailer, ça peut être sympa. Alors malheureusement, visiblement, il a dû faire un certain nombre de compromis par rapport à sa vision originale, et j'ai peur que ce soit un petit peu watered down. Mais à voir quand même. Ici, un autre film consacré aux pompiers, réalisé par Oxyd Pang. Moi, j'avoue que ça ne m'augure rien de bon, parce qu'Oxyd Pang, c'est pas un grand réalisateur, à mon humble avis, et des films sur les pompiers, bof bof. Comme toujours au Film Art, on a également de l'animation japonaise. Ça marche toujours, ça se vend bien en Asie, donc il n'y avait pas de raison de se priver ici. Le stand de la Corée du Sud, un énorme stand qui montre bien à quel point la Corée du Sud est devenue un des centres de production les plus dynamiques et les plus réussis, en tout cas d'un point de vue commercial en termes de cinéma. J'ai pas vraiment vu des projets particuliers, mais en tout cas ça montre alors que leur présence est là et ils sont influents. Ici, le stand de Ichini, qui est un des grands pourvoyeurs de films DTV chinois, les fameux films DTV chinois. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Youku, un autre grand pourvoyeur de ce mets fort apprécié que sont les DTV chinois. De manière générale, il faut bien préciser qu'il y avait énormément de stands chinois et qui sont de plus en plus gros. Clairement, ils sont en train d'imposer leur marque sur le marché du film hongkongais, et ça montre à quel point en fait ils sont en train de prendre l'ascendant définitif sur Hong Kong à ce niveau. Bon, c'est rien de surprenant, rien de nouveau, hein, on avait déjà remarqué ce phénomène, mais voilà, c'est de plus en plus marqué, en tout cas en termes de marché du film. Ici, quelques images de Wandering Earth 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps à Hong Kong, que j'ai pu voir. Moi, j'aime bien le premier Wandering Earth, j'ai trouvé le Wandering Earth 2 moins bon. Un peu plus confus et également un peu plus rentre-dedans en termes propagandistes, hélas, mais il y a quand même toujours des belles visions de science-fiction, quelques scènes par exemple avec l'ascenseur spatial qui sont vraiment sympatoches, donc ça mérite au moins un coup d'œil. Alors là, un projet manifestement sur le roi singe, hein, ça continue à être produit en masse en Chine. Désolé pour la mise au point qui est un petit peu aléatoire parfois, hein. Ensuite, on a donc un autre stand chinois. On voit ici des posters de Bataille du lac Changjin numéro 1 et numéro 2. Il y a d'autres films, d'autres projets qui sont présentés à travers différents posters, mais j'avoue que je ne sais pas ce qu'ils valent. J'avoue que je ne suis pas forcément totalement au point sur les dernières sorties chinoises. Donc, voilà, vous voyez, regardez un petit peu ces posters, voyez si ça vous intéresse. En tout cas, la production chinoise, elle reste assez active et assez pléthorique. Voilà, d'autres films encore dans le même registre. Ip Man, Naissance d'un combattant, il me semble bien l'avoir déjà vu, et si c'est bien celui que je pense, bah, c'est tout nul. Comme prévu, donc ça c'est des DTV chinois, hein. Ghost, je crois que c'est en fait le mutant Ghost Warrior, a priori. Ici, on a un film de Fan Stu-wong qui, lui, est plus sympatoche, qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez le voir avec des sous-titres anglais sur YouTube. Beaucoup des films de DTV chinois, d'ailleurs, sont disponibles directement sur YouTube, parfois avec des sous-titres anglais, parfois sans. Donc là, tout un tas de films de DTV chinois. Ils sont assez forts, par contre, en termes d'artwork, pour réussir à faire des trucs qui donne l'impression que ça va être friqué, que ça va être sympa, et ce qui n'est pas forcément le cas. Le poster de Mutant Ghost Warrior en fond, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur tout 2022. Bon, après, moi j'avoue que j'ai déjà mangé trop de DTV chinois, donc je ne vais pas forcément m'y remettre
à ce niveau et je vais probablement passer sur la plupart des films qui sont présentés ici dans ce bouffe. Le plaisir du film art, c'est aussi de croiser des gens et de voir des jolies filles qui passent pour promouvoir des films. Voilà, donc là on a un petit attroupement lié à des projets chinois non identifiés, mais je me suis dit que j'allais vous en faire profiter durant ces quelques secondes. Maintenant une petite balade pour conclure cette vidéo sur le Film Market 2013 de Hong Kong. Là qu'on a à l'arrière du pavillon de Kowloon Wall City. Donc un des projets les plus intéressants de 2023, même si finalement on sait assez peu de choses par rapport à celui-ci. Donc le Custom Frontline d'Hermanio. Si vous avez aimé Raging Fire, je pense qu'il y a de bonnes chances que vous puissiez trouver votre plaisir dans ce Custom Frontline, mais à voir, et surtout à voir par rapport au fait que Nicolas C soit le chorégraphe du film, ce qui est assez surprenant. Il a été d'ailleurs annoncé un autre projet dans lequel il va être carrément réalisateur, à savoir une suite à New Police Story de Benny Chan. Donc visiblement Nicolas C veut s'inscrire comme étant le successeur quelque part de Benny Chan dans le cinéma de Hong Kong. Bon, à voir, je suis un petit peu perplexe, mais qui sait, peut-être qu'il a des choses à dire, peut-être qu'il a bien intégré différentes leçons en termes d'action avec les différents gens avec lesquels il a travaillé. Donc on va voir ce que ça donne. Ici en arrière-fond, on a la bande-annonce de Detective versus Sluff de Wycarfy, que moi je n'ai pas aimé et dont j'ai parlé plus en détail dans ma vidéo sur tout 2022. Donc je vous renvoie à ça si vous voulez savoir mon opinion de ce film assez schizophrène. Et donc on peut dire que ça faisait plaisir quand même de pouvoir se balader à nouveau dans le Film Market parce que il n'avait pas eu lieu depuis 2 ans et quelques, si ma mémoire est bonne. Enfin, il avait eu lieu en virtuel, mais voilà, donc c'était la première édition physique. C'est toujours sympa de pouvoir croiser quelques personnes, quelques réalisateurs, quelques acteurs ou autres journalistes et autres. Donc le bilan, c'est que les affaires commencent enfin à reprendre. On sent que ça essaye de se relancer. Maintenant, comme je l'ai dit, la force dominante, c'est la Chine. Le marché chinois, c'est le marché essentiel. Les productions chinoises sont également très présentes. Et quand on fait des films avec la Chine, eh bien, on est soumis à la censure, on est soumis au goût du public. Bon, ça c'est une chose, mais surtout à la censure. Ce qui peut être assez compliqué. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un réalisateur qui a un film qu'il a terminé il y a 5 ans et qui est toujours en attente de validation auprès de la censure sans qu'il sache exactement où est le problème. C'est clairement difficile pour des réalisateurs, pour des investisseurs de faire des films dans ces conditions. Donc ils sont soumis aux caprices de la politique en Chine et les choses sont quand même assez instables de ce point de vue-là dans le pays. Et ça rend la reprise du marché assez difficile. Donc ça reprend, mais il y a toujours ce risque, ces risques liés à la censure chinoise et liés au changement de politique en Chine qui font que les investisseurs, que les cinéastes demeurent assez prudents. Donc on peut espérer que les choses vont se stabiliser, même si moi je reste un petit peu relativement pessimiste par rapport à ces développements en Chine. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo pour vous donner une idée donc de l'ambiance du Film Market 2023 à Hong Kong a été intéressante et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.